Bienvenue dans Entrepreneur Café, le podcast des entrepreneurs de l'industrie. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entrepreneur Café. Moi, c'est Xavier Riquier, l'un des cofondateurs du podcast. Et aujourd'hui, je vous amène en Afrique du Sud à la rencontre de Michael Porto, fondateur et CEO de Takatso Partner, start-up sud-africaine qui propose des solutions d'ingénierie permettant de répondre à la problématique du stress hydrique et d'accéder à de l'eau potable de bonne qualité de manière décentralisée et autonome grâce à l'aide d'énergie renouvelable. Dans cet épisode, Michael revient en détail avec nous sur son parcours qui l'a amené à travailler en Afrique du Sud et en Pologne dans le secteur minier avant de se lancer à 100% dans l'aventure Takatso en 2021. Il revient avec nous sur sa vision de l'enjeu de l'accès à l'eau en Afrique et l'ambition de Takatso de répondre à la problématique de plus en plus pressante du stress hydrique. Un échange inspirant qui nous fait plaisir de vous partager. Bonne écoute. Bonjour Michael. Bonjour Xavier. Michael, la traditionnelle question pour commencer notre échange, est-ce que tu pourrais nous faire le fameux pitch de Takatso Partners? Bien sûr Xavier, avec grand plaisir. Donc tout d'abord, merci beaucoup de m'accueillir sur votre plateforme. Très honoré de faire partie de ce réseau-là, donc je vous remercie d'abord. Takatso est une entreprise sud-africaine que nous avons créée en 2018. Aujourd'hui, elle est composée de 7 personnes côté management, et je pense pouvoir dire également que notre entreprise est multiculturelle, pardon, puisque nous avons une équipe composée de Sud-Africains, de Zimbabwéens, de Français, mais également d'Indiens. Donc aujourd'hui, notre structure de management s'oriente autour de mon équipe. Donc nous avons un directeur financier, un CFO qui est français, notre Chief Technical Officer donc qui préside le département technique et lui zimbabwéen. Nous avons un directeur supply chain et logistique qui est sud-africain, une chargée d'affaires et développement du groupe qui est également responsable de la communication et du marketing qui est française. Nous avons Geoffrey qui lui s'occupe et qui est chargé des relations publiques côté français. Et nous avons enfin un responsable des ventes qui, lui, est indien. Donc, nous avons un mix culturel qui est très, très intéressant au sein de notre structure. Notre vision aujourd'hui au sein de Takatso est de devenir le référent privé principal quant aux interventions nécessaires sur des sujets de stress hydrique, mais également de manque en énergie et de manque en nourriture. Et pour cela, notre mission est de proposer des solutions d'ingénierie afin d'offrir un accès à une eau potable de bonne qualité de manière décentralisée et complètement autonome, c'est-à-dire sur la base d'énergie renouvelable. Donc afin de mener à bien cette mission, Xavier, nous avons développé, je dirais, deux segments principaux qui sont un sujet de purification. Donc c'est tout simplement offrir des solutions d'ingénierie pour décontaminer des eaux de lacs, de rivières, par exemple de nappes phréatiques, d'eau grise ou également des eaux de récupération. Et le second segment principal se tourne autour du dessalement, donc du dessalement d'eau de mer, d'océan ou également d'estuaire. Donc nous venons de passer 3 années de recherche et de développement. Donc on a commencé comme, je dirais, toute start-up dans notre garage et dans notre jardin avec multiples essais de différentes technologies, mais de manière miniature, jusqu'à bien évidemment arriver à la signature de notre premier prototype que je vous expliquerai un petit peu plus en détail plus tard. Et ensuite, en grande ligne, hein, les technologies que nous utilisons aujourd'hui sont des technologies matures sur le marché, notamment en Afrique du Sud, et s'orientent principalement sur des aspects d'osmose inverse, des processus de préfiltration, ainsi que des traitements UV et de dosage de chlore afin de lutter effectivement contre les bactéries. Et pour terminer, le champ d'action est global, bien évidemment, comme on dit en anglais, the sky is the limit, notamment aujourd'hui les challenges que nous faisons face au niveau des stress hydriques est bien évidemment global. Donc nous commençons à développer aujourd'hui bien évidemment nos solutions sur l'Afrique subsaharienne avec l'intention d'explorer des marchés hors Afrique tels que l'Asie du Sud-Est ainsi que l'Amérique du Sud sur un moyen long terme, mais également en étant français moi-même, nous souhaitons également offrir des solutions à nos dom-toms sur un aspect un peu plus long terme. Merci pour cette présentation. Comme tu disais, on reviendra plus en détail sur la technologie que vous employez puis quels sont vos projets actuels. Pour bien repréciser, du coup, oui, tu es français, mais tu es basé en Afrique du Sud. Tu es basé dans quelle ville déjà, Michael? Tout à fait. Je suis basé à Sandton, qui est donc une banlieue au nord de Johannesburg. Et ça fait maintenant depuis 2014 que je suis en Afrique du Sud. Alors justement, parlons un peu de toi maintenant. Quel est ton parcours?
Qu'est-ce qui t'a amené du coup à aller en Afrique du Sud et à créer Takatso Partner? Je vais d'abord démarrer sur mon éducation. Donc suite à mon baccalauréat ES, je suis parti en école de commerce à Toulouse. Je suis devenu titulaire d'un bachelor, donc d'un Bac plus 3 en International Business Development, avec une dernière année sur 12 mois en Malaisie, donc avec un partenariat à Kuala Lumpur. Et ensuite, à mon retour de Malaisie, j'ai donc décidé de changer de ville et de changer d'école de commerce cette fois-ci, afin d'effectuer mon master en achat international et logistique en alternance, donc à Bordeaux. Mais je travaille également dans un groupe aéronautique français dans les méthodes logistiques. Donc maintenant, niveau pro, donc comme je viens de l'énoncer, j'ai passé 2 ans d'alternance dans le département des méthodes logistiques, donc de 2012 à 2014. Ensuite, j'ai eu une grande opportunité qui finalement a réellement changé mes perspectives au temps où j'ai accepté le poste. J'ai eu l'agréable surprise et opportunité de partir en VIE dans un groupe d'extraction minière français, donc basé en Afrique du Sud, où j'ai travaillé en tant que supply chain analyst pendant 2 ans, donc durant mes 2 années de VIE, donc de 2014 à 2016. Et j'ai eu la grande chance, encore une fois, de me voir offrir un contrat d'expatriation de 3 ans pour être responsable des achats pays pour les 9 opérations minières que le groupe possède en Afrique du Sud. Et début 2020, pas forcément lié au problème COVID-19, COVID-19, mais j'ai décidé de prendre de nouvelles fonctions, toujours pareil au sein de l'entreprise minière française, en tant que Regional Category Manager. Donc essentiellement, ce que ça veut dire, c'est être responsable des achats, mais d'une catégorie bien précise. J'ai été responsable de la catégorie Mining et Heavy Mobile Equipment. Donc en français, c'est tout ce qui se tourne autour des contrats de services miniers et également les achats des grosses machines jaunes que vous voyez sur les opérations minières. J'étais responsable On peut citer les marques, hein, c'est Caterpillar, c'est des Komatsu, les choses comme ça. Vous avez les Liebherr, vous avez les Komatsu, vous avez bien évidemment Caterpillar et quelques autres leaders sur le marché également. Et vous avez toute une grande partie de contrats de service, hein, c'est tout simplement des entreprises privées qui vont intervenir sur votre site afin d'opérer tout simplement et afin de faire eux-mêmes l'extraction. Donc c'est simplement de l'outsourcing, c'est du contracting pur et dur. J'étais responsable de la partie Europe du Nord, Afrique, ainsi que l'Asie-Pacifique, donc comprenant Australie et Nouvelle-Zélande également. Et ensuite, courant 2021, mars plus précisément, j'ai décidé de prendre une nouvelle opportunité dans un nouveau groupe qui, lui, se tourne plutôt autour du secteur de l'aluminium, de la fonderie et des métaux, où je suis devenu directeur achat groupe pour des achats de produits d'alumine pour 56 opérations de manière globale. Et puis, bien évidemment, grand step au niveau de ma vie personnelle et professionnelle, puisque j'ai donc décidé de démissionner de ce dernier groupe en décembre 2021 pour repartir sur l'Afrique du Sud. Pour ce groupe-là, tu étais parti d'Afrique du Sud ou c'était toujours en Afrique du Sud? Non, pour ce groupe-là, je suis parti d'Afrique du Sud. Je me suis rendu en Pologne pour l'équivalent de quasiment 10 mois. Finalement, toujours en gardant en tête, bien évidemment, que Takatso est toujours resté la priorité. Mais je vais vous expliquer un petit peu plus tard, mais on a quand même travaillé pendant 3 ou 4 ans sur de la recherche et développement et du développement produit, qui ne demandait pas forcément ma présence physique dans le pays à ce moment-là. Donc j'ai continué ma vie, je dirais, tournée un peu plus corporate jusqu'au dernier moment. Donc j'étais en Pologne, à Cracovie. Et donc, qu'est-ce qui t'a décidé en décembre 2021 de finalement revenir en Afrique du Sud et de consacrer à 100% à Takatso? Je pense que le point majeur a été le succès complet de notre premier prototype que nous avons commissionné et donc validé grâce à un contrat de 12 mois que nous avons signé avec les parcs nationaux d'Afrique du Sud, Sandparks, pour simplement finalement faire du testing de nos technologies et bien évidemment avec un aspect scientifique afin de démontrer que nos solutions pouvaient simplement décontaminer de l'eau sur la base d'un processus d'osmose inverse qui était finalement branché exclusivement sur du renouvelable, à savoir du solaire. Donc après, ensuite de la création de Takatso, si vous voulez Xavier, l'idée est principalement venue d'une expérience personnelle et professionnelle en 2017 et 2018, courant les sécheresses extrêmes qui nous ont impacté tout le pays, en Afrique du Sud et notamment les régions du Western Cape où se trouve Cape Town,
ainsi que l'Eastern Cape. Moi-même, j'ai été affecté par ces problèmes-là, basé sur Johannesburg, où bien évidemment, on avait énormément de restrictions au niveau de notre consommation d'eau, plus des problèmes annexes en énergie, bien évidemment. Mais j'ai été impacté également au travail, puisque bien évidemment, le secteur minier est un gros consommateur d'eau dans les différents processus d'opération. Et lors de mes fonctions, j'ai participé à des projets de CSR, de Corporate Social Responsibilities, où dans l'idée était de répondre sur des sujets de stress hydrique en apportant une certaine assistance avec ma casquette de responsable des achats du groupe minier. Donc j'ai décidé, juste sur du long terme, d'attaquer moi-même le problème en apportant des solutions appropriées. Donc tout ça en créant une équipe autour de la vision et autour de la mission principale, créer une structure et bien évidemment démarrer à travailler sur ces problématiques-là. Comment tu as trouvé ton équipe et comment tu as trouvé la technologie que finalement vous allez utiliser pour résoudre ce problème ? Aujourd'hui, au niveau de la création de l'équipe, ça s'est fait, je dirais, plus ou moins naturellement, dans le sens où j'ai directement impliqué un ami d'enfance qui est donc devenu aujourd'hui directeur de l'entreprise et s'occupe de la partie finance du groupe. Donc nous avons attaqué le sujet dans un premier temps tous les deux. Lui aujourd'hui a une carrière, je dirais, plutôt exceptionnelle à son âge, puisqu'il est devenu très rapidement un des leaders côté JP Morgan, et aujourd'hui il assure bien évidemment les fonctions de DAF côté Takatso, mais également d'autres activités au sein de banques suisses, et il est également basé sur Zurich. Donc on a commencé, si vous voulez, dans cet aspect-là. Ensuite, une fois qu'on avait bien évidemment éclairci tous les soucis autour de la vision et de la mission qu'on comptait opérer, il s'agissait bien évidemment de trouver un asset, donc un allié côté technique, une personne qui était bien évidemment capable de mettre nos idées dans un premier temps sur du papier, et puis bien évidemment sur des essais technologiques plus dans un aspect plutôt moyen long terme. Donc on a recruté notre Chief Technical Officer aujourd'hui, qui a bien évidemment tout le background d'ingénierie nécessaire pour mener à bien notre mission. Donc il est zimbabwéen. Ce qui est assez marrant et assez cocasse dans la situation, c'est que nous nous sommes rencontrés lors de mon année universitaire à l'étranger, donc en Malaisie, où lui-même complétait ses études de master en ingénierie de process et chimique. Et ensuite, bien évidemment, d'autres personnes dans l'équipe sont venues, notamment sur la partie logistique et sur la partie marketing, communication et biz dev. Donc ça s'est fait naturellement. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que dans l'idée, on voulait devenir disponible le plus rapidement possible sur le marché, puisque les problèmes étaient réels et nous impactaient clairement. Mais bien évidemment, travailler dans l'infrastructure prend du temps, et notamment toute la partie développement. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé des miniatures au niveau technologique. Donc on est arrivé sur des premières machines de purification qui utilisaient simplement de la préfiltration dans un premier temps. Ensuite, on a essayé de purifier ces eaux-là, qui étaient quand même plutôt contaminées, notamment avec des E. coli, d'ajouter de la stérilisation au niveau UV. Ensuite, on a utilisé bien évidemment divers filtres et divers membranes que vous pouvez très simplement trouver sur le marché d'une manière miniature. Et nous sommes passés petit à petit d'un step à l'autre sur une industrialisation de nos produits, avec un prototype de taille réelle aujourd'hui qui est donc disponible sur le Kruger, sur donc le parc national principal d'Afrique du Sud, qui aujourd'hui propose de l'eau à plus de 85 personnes d'une manière journalière. Et donc concrètement, comment fonctionne la technologie ? À quoi ça ressemble ? C'est comme dans une sorte de conteneur ? Voilà, tout à fait. Donc dans l'idée, donc on avait plusieurs points, si vous voulez, pour apporter une offre, je dirais, cohérente sur le marché, donc appropriée. Donc on a d'abord identifié les facteurs qui pour nous étaient clés afin de maîtriser ces technologies-là et d'apporter une assistance sur le long terme. Donc d'abord, on a voulu créer des unités décentralisées. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les unités se doivent d'être mobiles, agiles et bien évidemment peu chères. Donc nous avons travaillé dans un objectif de complète autonomie au niveau de la partie énergétique de nos unités, pardon. Donc on utilise 100% de solaire ou des turbines à vent quand c'est possible, bien évidemment, en fonction de la typographie de nos sites. Ce qui fait de notre solution éco-friendly et durable. Donc ça, c'était réellement notre premier motto et notre vision. Ensuite, nous nous sommes efforcés à construire un produit compétitif. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire, grâce aux essais technologiques que nous avons faits sur la purification ainsi que
que sur le dessalement. Respectivement, nous avons réussi à baisser nos coûts de production de plus de 35% donc sur la purification et 40% sur le dessalement. Et ça, c'est simplement le fruit d'un travail de 3 ans. D'une part, pour faire en sorte que nos technologies, une fois assemblées, fonctionnent ensemble. Mais c'était également de continuer finalement à faire de l'intelligence, du business intelligence sur les différents marchés qui nous étions bien évidemment disponibles afin d'arriver avec un produit fini, abordable, puisque bien évidemment nos cibles sont les pays en développement dans un premier temps. Et l'idée, c'était que nous voulions nous proposer une offre sur le marché qui fait sens ensuite. Donc j'ai déjà parlé de la partie mobile et agile. Donc ça, finalement, la définition, c'est tout simplement d'être déployable rapidement avec un turnaround time donc pour l'installation qui est aujourd'hui de 8 jours ouvrables. Donc si vous voulez, lorsque vous avez un problème de stress hydrique aujourd'hui, nous sommes capables de venir et d'intervenir sur le problème grâce à nos solutions simplement en 8 jours. Et ensuite, afin de faciliter le transport, donc je reviens sur votre point, Xavier, notre design comprend l'utilisation de conteneurs entre 10 pieds, 20 pieds et 40 pieds en fonction de la taille, bien évidemment, et du volume qui est nécessaire. Et nous utilisons simplement des conteneurs de type B ou de type C afin de limiter notre empreinte carbone au maximum. Et enfin, je dirais, nous avons considéré que être versatile était également une des clés du succès afin de cibler le maximum, bien évidemment, de marché. Donc, c'est pour cela que nous avons développé une gamme de 9 produits côté purification et 9 produits côté dessalement qui démarrent de 1,5 cubic meter, donc tout simplement 1500 litres d'eau purifiée par jour, jusqu'à notre produit le plus gros en termes de volume, qui lui représente une source d'eau potable de 100 000 litres d'eau par jour. Maintenant, tous nos modules ou toutes nos unités sont modulaires. Donc, ça veut dire que nous pouvons bien évidemment augmenter ou réduire les volumes nécessaires en fonction bien évidemment de la demande. Et du coup, tu parlais des marchés applicatifs. Quels sont les marchés prioritaires pour vous ? Très bonne question, Xavier. L'idée au niveau des différents marchés, lorsque nous avons démarré Takatsu, notre vision a été dirigée exclusivement sur les municipalités et les townships, avec bien évidemment une approche très humanitaire liée à ces sujets-là. Donc, nous avons créé par la suite des solutions annexes. Donc, une fois que notre core business, qui était donc de rendre l'accès à l'eau potable, était plus ou moins validé, nous avons développé des techniques de smart farming afin de clore ce cercle vertueux en présentant une réponse humanitaire au niveau des 3 besoins vitaux qui sont l'eau, l'énergie et la nourriture. Maintenant, tout au long du développement de l'entreprise, et bien évidemment avec tous les engagements que l'on a eu avec toute la partie supply chain, donc les fournisseurs de nos fournisseurs jusqu'aux clients de nos clients, on s'est très rapidement rendu compte que nous pouvons identifier d'autres marchés où nos solutions étaient nécessaires. Donc ça passe bien évidemment, je viens du secteur minier, avec une compréhension avancée des différents process de cette industrie là Donc, nous avons identifié le secteur minier, nous avons identifié l'industrie agriculture, les promoteurs immobiliers industriels et commerciaux, qui, il y a encore un an, ne faisaient absolument pas partie de nos market segments. Aujourd'hui, nous avons des demandes pour décontaminer l'eau de business park, tout simplement. Ensuite, nous intervenons sur les industries chimiques, les industries alimentaires, mais également un aspect un peu plus sociétal, les écoles, les hôpitaux, les ONG et également les zones désastrées, sans oublier bien évidemment les complexes touristiques type hôtel, tout autant d'une manière coastale ou inland, ou bien évidemment les différents lodges qu'il y a bien évidemment sur toute la partie Southern Africa. Du coup, ça fait quand même beaucoup de secteurs potentiels et de marchés fort intéressant. Comment vous comptez les attaquer ? Est-ce que vous allez passer par des distributeurs, des agents, ou est-ce que vous allez tout faire en direct ? Est-ce que vous avez déjà une stratégie bien établie à ce sujet pour pouvoir attaquer tous ces marchés en même temps, ou est-ce que vous allez prioriser en attaquer qu'un à la fois ? Dans un premier temps, une fois qu'on avait identifié ces marchés-là, donc aujourd'hui j'en ai cité quelques-uns, potentiellement 9 ou 10, mais on en a identifié d'une manière exhaustive aujourd'hui à 12. Maintenant, identifier ces marchés-là ne signifie pas nécessairement que l'on va bien évidemment attaquer ces marchés-là tout à la fois. Je pense que ça serait une erreur. Donc pour cela, nous avons travaillé en différentes lames ou en différentes layers. Donc ce qui s'est passé, c'est que bien évidemment, une fois avoir identifié le secteur minier,
Nous avons fait des market research, hein, tout simplement pour comprendre le nombre d'opérations minières, que ça soit en Afrique subsaharienne, qu'on comprenne également leurs besoins en eau, leur consommation en eau et toute la partie, je dirais, opérationnelle liée à ce sujet-là. Et ensuite, on a simplement engagé avec des samples, donc que nous avons pris sur la base de total d'opérations minières, et nous avons contacté toutes ces personnes-là afin de comprendre plus en détail les besoins réels de ces opérations-là. Et ça, c'est exactement pareil sur tous les marchés que nous avons identifiés. Donc, suite à ces résultats-là, nous avons priorisé le marché minier, le marché agriculture, la partie ONG, zone désastrée. Pourquoi le minier et l'agriculture ? C'est tout simplement en Afrique du Sud aujourd'hui et en Afrique subsaharienne les marchés principaux. Ou les flagships, je dirais. Donc, nous avons beaucoup plus de chances de servir ces deux marchés-là plutôt que les autres, d'une manière volume. Mais on s'attaque également aux ONG et aux zones désastrées, puisque, encore un exemple très simple de ce matin, j'ai été en communication avec des membres opérationnels d'une certaine ONG suisse qui est en train d'intervenir sur des immenses inondations qui se passent dans le sud du pays, qui a forcé le déplacement de 32 000 foyers, aujourd'hui, et nous sommes en contact proche afin d'apporter des solutions à ces organisations-là, qui sont pour nous, bien évidemment, clés dans un sens où on peut apporter une assistance en fournissant de l'eau de qualité, mais également tout en gardant cette partie, cet aspect humanitaire tout autour du projet. Maintenant, on utilise également du referral agreement, donc ça veut dire que on travaille avec certains partenaires privés ou des organisations qui sont capables, elles, de nous soutenir d'une manière commerciale, ou nous devenons fournisseurs directement de ces entreprises-là, ou alors ces entreprises-là deviennent représentantes finalement de la marque Takatsu sous la forme de referral agreement. Donc aujourd'hui, nous travaillons comme ça en essayant de filtrer et de cibler ces quatre marchés principaux sur la base de ces 11 personnes que nous avons sur le terrain également. Et du coup, quelle est la réponse du marché à la technologie que vous proposez ? Et est-ce que vous avez déjà des concurrents établis, ou est-ce que c'est vraiment un marché où il y a encore peu de concurrence ? Alors, la réponse que l'on obtient du marché, dans un premier temps, on obtient une réponse d'étonnement. D'étonnement pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes une entreprise qui proposant finalement des produits et des services qui comprennent finalement un scope of work qui est quand même assez important. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on amène de l'eau, bien évidemment, mais on amène également de l'énergie si besoin, avec un excédent d'énergie grâce à nos usines solaires. Et sur ce sujet-là, si vous voulez, aujourd'hui, on n'a personne, en tout cas sur l'Afrique subsaharienne, et ce que l'on fait aujourd'hui à proposer une offre comme celle-ci. Maintenant, des concurrents indirect, nous en avons, bien évidemment, parce que nous travaillons avec eux également, puisque nous, aujourd'hui, avec notre équipe d'ingénierie, on design, si vous voulez, des solutions qui sont turnkey. Donc, ce que ça veut dire, c'est qui répondent exactement aux besoins du client, alors que finalement, les personnes et nos fournisseurs qui travaillent avec nous font directement des ventes, si vous voulez, mais ces ventes-là sont, je dirais, beaucoup moins industrielles que nous. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que 90 à 95% de leur chiffre d'affaires sont, je dirais, dirigés sur toutes les appliques qui se tournent autour de la purification, mais qui est plus sur une base de households. Donc, la cible est tout simplement vous et moi qui souhaitons avoir simplement 3 filtres à 1 jusqu'à 3 microns sous votre robinet, tout simplement pour vous assurer que votre eau est bien évidemment de bonne qualité. Donc, nous, aujourd'hui, on est sur un marché ou sur un segment qui est beaucoup plus industriel. Et en plus de ça, on amène, je dirais, tout un panel de services qui démarre au développement de borehole. Un borehole, c'est simplement un puits qui donne accès à une nappe phréatique. On propose, bien évidemment, toute la partie piping and installation. Donc, ça veut dire tout simplement toute la partie qui va pomper, donc les pompes et la tuyauterie qui est nécessaire de la partie d'extraction pour emmener l'eau sur la partie purification. Ensuite, on purifie l'eau. Sur des standards, bien évidemment, aujourd'hui, on travaille avec le SANS 241. Qui est aujourd'hui le corps institutionnel sur la partie régulation alimentaire côté Afrique du Sud, mais on répond bien évidemment aux requirements, aux besoins de WHO au niveau de notre qualité d'eau. Donc finalement, on se présente en ajoutant une offre qui est 100% autonome, donc nous utilisons encore une fois des énergies renouvelables, et on propose également une partie qui peut être bien évidemment hybride,
Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, sur la base d'un équipement qui peut se brancher directement au courant, nous ajoutons des éléments à l'installation afin que l'équipement continue à produire de l'eau lorsqu'il y a des coupures d'électricité. Maintenant, coupure d'électricité peut potentiellement faire sourire en France et en Europe, mais aujourd'hui en Afrique du Sud, notamment, nous vivons avec d'extrêmes problèmes finalement d'accès à l'énergie en plus de l'eau, où moi-même aujourd'hui en vivant à Santon, je vis avec entre 4 et 6 heures par jour de coupure d'électricité. Donc, bien évidemment, ça devient une option. Pour tout divulguer, on a dû trouver une heure spéciale où tu aurais du courant chez toi pour pouvoir accéder à Internet. Pour divulguer le back-office de l'enregistrement du podcast. C'est vrai que ça fait deux semaines que l'on essaie, et je vous remercie beaucoup de votre patience. Mais c'est vrai que j'étais pas en capacité d'enregistrer cette interview jusqu'à aujourd'hui. Du coup, moi, j'ai une question qui me vient à l'esprit, c'est comment est perçu par les Sud-Africains le fait qu'un Français lance une start-up en Afrique du Sud? Est-ce que ça a été facile? Est-ce qu'il y a eu des freins ou au contraire des encouragements particuliers en local? Je pense que ça n'a pas du tout été une barrière dans un premier temps. Et je dirais pas non plus que ça m'a beaucoup servi. Je pense que c'est plus un aspect neutre sur cette question-là. Je ne pourrais pas finalement diriger l'entreprise sans mes collègues et notamment mes collègues locaux, notamment pour la compréhension du marché, bien évidemment, la compréhension des régulations, mais également la compréhension de l'environnement socio-économique du pays. Maintenant, bon, je suis dans le pays depuis 2014, donc bien évidemment, j'ai une connaissance aujourd'hui qui est bien meilleure qu'il y a 7-8 ans. Mais aujourd'hui, ça n'a pas été un frein, mais pas non plus une aide. Aujourd'hui, on propose des solutions qui sont finalement demandées, nécessaires et d'une manière immédiate. Et dans l'idée, c'est qu'aujourd'hui, on propose des technologies, on propose une compétence et une connaissance de l'assemblage de ces technologies pour un but fini. Et l'idée de rester en Afrique du Sud, parce qu'en étant français, la question pourrait se poser pourquoi je ne rentre pas en France pour développer l'entreprise. Alors, je fais les deux. Je suis en train également aujourd'hui d'ouvrir une société Takatsu France pour répondre, j'espère, sur le moyen long terme à nos dom-toms. Maintenant, l'idée est réellement de créer nos unités d'assemblage dans un côté local, donc sur l'Afrique du Sud. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire création de jobs en local et ça veut dire transfert de compétences également sur ces parties technologiques, sur une plus grande, ou je dirais prendre un peu plus de hauteur sur les aspects au niveau de l'industrie de l'eau. Donc c'est ça réellement, je dirais, qui est très apprécié, que ce soit sur la partie privée, mais également la partie publique ou institutionnelle. Est-ce que Takatsu, ça veut dire quelque chose dans la langue locale? C'est une question qui m'est venue comme ça. Mais... Alors tout à fait. Bon, l'étymologie est plutôt diverse finalement, puisque aujourd'hui en Afrique du Sud, il existe beaucoup de langages officiels. Dans l'étymologie de Takatsu, on retrouve de l'Afrikaans ou on retrouve du Sisutu ou du Sipeli. Et en Sisutu, qui est donc une ethnie du nord-ouest du pays, Takatsu veut dire espoir. Donc nous avons décidé de se lancer avec, je dirais, cette marque-là, ce nom d'entreprise-là. Parce que bien évidemment, en plus d'apporter de l'espoir, on pense sincèrement qu'on ait une solution crédible aujourd'hui et surtout immédiate pour répondre à ces besoins qui sont terribles. J'ai une petite expérience hier, on s'est déplacé avec mon directeur technique, nous sommes déplacés sur une communauté tout au nord du pays, dans le district des Venda, qui est également une langue officielle du pays, afin de faire un audit du site, du village, et essayer de comprendre un petit peu les difficultés dans lesquelles ces personnes-là se trouvent actuellement. Donc, dans l'idée, c'est de donner une offre pour l'accès à l'eau à 2000 personnes. Mais j'ai été extrêmement choqué, même après tant d'années dans le pays, de voir les conditions finalement personnelles de ces gens-là, de cette communauté, de ce village-là, avec bien évidemment zéro accès à l'eau, et quand je dis zéro, c'est zéro, alors que des nappes phréatiques sont bien évidemment disponibles et la création d'un puits est quand même un processus assez simpliste. Et encore une fois, zéro accès en énergie et des kilomètres pour se déplacer, notamment à pied, afin de pouvoir se nourrir. Donc on pense sincèrement avoir une réponse crédible à tous ces soucis-là.
Mais du coup, qui finance? Parce que je suppose que j'imagine que ce village, par exemple, ils n'ont pas forcément beaucoup de ressources financières. Qui finance du coup ce projet? Est-ce que c'est au niveau local, gouvernemental? Est-ce que c'est des ONG qui financent? Alors, c'est un mix de tout ça. Donc, notamment sur ce projet-là, aujourd'hui, il y a une ambassade européenne qui est impliquée. Il y a un aspect privé avec des sociétés africaines et sud-africaines également qui proposent de l'aide financière et également en nature avec des services et des produits qui vont aider ces gens-là avec des latrines, des systèmes de latrines, avec des systèmes de stockage d'eau, notamment les Jojo Tanks, etc. Donc, si vous voulez, c'est un petit peu un consortium de private public qui s'installe. Donc aujourd'hui, on a parlé d'être abordable, on a parlé d'être mobile, on a parlé d'être agile, de se déployer rapidement, d'être éco-friendly. Mais ce qui est très, très important également à comprendre, c'est que malheureusement, les pays qui sont le plus exposés au stress hydrique sont les pays malheureusement en développement ou des pays très pauvres qui n'ont, encore une fois, pas de capital pour investir dans des solutions comme celle-ci. Aujourd'hui, le gouvernement sud-africain fait au mieux. Et maintenant, les infrastructures au niveau de l'eau et de l'énergie sont en train de collapser, tout simplement. Donc, si le privé, je dirais, ne se joint pas à cette aide-là, ça risque d'être très compliqué. Donc, aujourd'hui, on offre deux business models afin de faciliter finalement la mise à disposition de nos deux solutions. La première est finalement une vente directe de notre produit de purification ou de dessalement. Et nous gardons finalement l'exclusivité sur la maintenance. Donc, nous offrons des contrats de maintenance pour venir faire de la maintenance en routine d'une manière mensuelle et également de la maintenance préventive sur la base de capteurs, si vous voulez, que nous avons sur nos équipements qui nous donnent des informations sur le nombre d'heures de fonctionnement des différentes pompes, des informations sur les différents volumes d'eau que nous avons purifiés, etc. Dans l'idée, Xavier, c'est finalement d'éviter ce business model pour les communautés. Pour les communautés et les municipalités dans lesquelles il y a des problèmes de cash, des problèmes d'argent ou d'accès au financement, nous avons un second business model qui est finalement la location de nos machines, où là, finalement, la propriété reste côté Takatsu et proposer un accès à la maintenance tout en vendant, si vous voulez, des services d'eau et d'énergie, donc au kilowatt et au cubic mètre, dans une idée où on veut éviter à ces institutions-là d'avoir un investissement en dur, donc en CAPEX, sur ces parties-là. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Takatsu, de son côté, lui, doit avoir une capacité de financement qui, finalement, est en ligne avec ces projets-là. Donc, c'est ce que l'on prône aujourd'hui afin de proposer nos solutions, même aux plus dépourvus. Non, mais je trouve ça super. Ça résume bien, en plus, le nom de la société Espoir. Apporter de l'espoir à ces communautés isolées qui sont en Afrique du Sud, mais aussi, comme tu disais, dans plein d'autres pays en voie de développement ou même dans certains pays développés. Enfin, moi, pour avoir vécu au Canada, les communautés autochtones au Canada, c'était un pays développé, mais ils ont à peu près les mêmes problématiques. Donc, ça reste très important. Et c'est super d'avoir des sociétés comme la tienne qui leur proposent des solutions, comme tu disais, abordables. Parce que souvent, le problématique, c'est le problématique du coût. Donc, tout à fait. Donc, c'est très bien. Non, mais je te remercie beaucoup. Quels sont vos projets futurs? Tu parlais donc d'ouvrir une filiale en France pour adresser les dom-toms. Comment tu vois la société, là, disons, si on doit se projeter dans 5 ans, tu l'imagines où? Me projeter dans 5 ans, finalement, l'idée d'ouvrir donc Takatsu France, donc encore une fois, hein, pour pouvoir travailler avec la France en direct, pour moi, fait sens, parce que encore une fois, je suis français. Maintenant, où on veut être dans 5 ans? Bon, dans un premier temps, on est une start-up. Donc, il y a tout un travail, si vous voulez, autour de la communication, autour de notre marque, autour de la vision et de nos solutions. Donc, dans 5 ans, l'idée, c'est que notre nom soit associé avec qualité, avec compétence, sur toute la partie, bien évidemment, eau, mais également énergie et smart farming. Donc, dans l'idée, on travaille également aujourd'hui au développement d'une usine, si vous voulez, d'assemblage, donc pour continuer à développer notre structure et pour surtout répondre aux différents projets et inquiries que nous commençons à recevoir. Et puis on essaie de se diversifier tout simplement pour que d'ici 5 ans nous pouvons répondre aux marchés déjà identifiés. J'espère également pouvoir identifier de nouveaux marchés tout aussi porteurs pour apporter notre assistance.
Et dans l'idée, c'est continuer, je dirais, à se développer, mais pas forcément simplement en Afrique du Sud. On a parlé de la France, mais encore une fois, je garde un œil plutôt intéressé sur l'Inde, par exemple, avec qui je suis rentré en contact avec certains stakeholders pour essayer de comprendre un petit peu les dynamiques autour du marché de l'eau, mais également sur l'Asie du Sud-Est et l'Amérique du Sud. Donc, vous parlez également du Canada, c'est tout simplement un marché que, pour l'instant, nous n'avons pas considéré. Mais l'idée, c'est de continuer à se développer dans une partie également d'intégration. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que aujourd'hui, nous arrivons avec un set de propositions, avec un set d'offres au niveau de l'eau, que ça soit au niveau de la purification et du dessalement. Mais on veut se diversifier en apportant, ou en élargissant notre scope pour apporter plus de services. Donc, ça passe pour essayer de devenir finalement un partenaire clé en constituant des équipes et du savoir sur la partie développement, voilà, depuis de nappe phréatique, sur la partie sanitaire également, qui manque aujourd'hui à notre value proposition. Aujourd'hui, on n'est pas capable au sein de Takatsu de travailler sur du treatment plant ou du wastewater treatment plant. On n'est pas capable. Donc, dans l'idée, c'est de développer des partenariats ou tout simplement intégrer ces compétences-là au sein de nos équipes. Et de continuer à proposer, je dirais, des offres qui sont tailor-made, et notamment au niveau des NG. On a déjà démarré aujourd'hui, on développe aujourd'hui une gamme de produits qui aura pour but, si vous voulez, donc, d'aider les ONG à déployer des mini-centres d'eau potable grâce à des technologies, toujours la même chose, en osmose inverse, mais beaucoup plus petite et beaucoup plus simpliste, afin que ça soit un plug and play pour que ces associations-là puissent intervenir et proposer de l'eau. Donc ça fait partie, par exemple, d'un petit projet que l'on a. J'ai parlé également du smart farming. Aujourd'hui, on est quand même très, très focus et très concentré sur la partie eau, mais je suis persuadé que la partie nourriture fait sens. Il fait sens aujourd'hui. Et je pense que d'ici 5 ans, ça fera encore plus sens. Ou dans l'idée, si Takatsu peut apporter une offre en apportant de l'eau potable, en apportant un excédent d'énergie, mais également en apportant de la nourriture, en proposant une agriculture saine et encore une fois plutôt simpliste, puisque aujourd'hui les systèmes d'aquaponie et d'hydroponie sont quand même des techniques assez matures qui ne prennent pas soin finalement du type de sol, de la terre que vous utilisez, et il n'y a aucune importance à porter au niveau du climat. Donc, ce sont des techniques que l'on pense nécessaires aux communautés reculées et décentralisées, où bien évidemment, soit le gouvernement n'est pas en capacité de répondre, ou soit les gros industriels aujourd'hui ne sont pas forcément intéressés à poser des capex là-dessus. Non, mais c'est très intéressant et je vous souhaite vraiment plein de succès à Takatsu. Je pense que, enfin, ça, il y a un vrai besoin, en tout cas, j'ai l'impression, et qu'il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. Donc, plein de succès pour vous. Je vous remercie, Xavier. Merci, Mickaël, pour cet entretien. Et nous espérons voir Takatsu France émerger aussi rapidement pour pouvoir, comme tu dis, desservir nos dom-toms qui ont aussi besoin de ce type de technologie. Très bien, Xavier. Encore une fois, je vous remercie beaucoup de nous avoir accueillis sur votre plateforme. Ça a été un grand plaisir et très intéressant d'échanger avec vous. Encore une fois, merci beaucoup. Merci, Mickaël. Et voilà. Merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. J'ai été ravi de vous faire partager ce moment avec cet entrepreneur très inspirant. N'hésitez pas à nous soutenir et laisser vos commentaires sur nos réseaux sociaux LinkedIn, Twitter et Instagram, ou bien encore nous laisser 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast. Nous vous donnons rendez-vous jeudi prochain pour le prochain épisode de nos podcasts. À jeudi !